12h30, 13h30, le journal inattendu sur RTL, avec Vincent Parizeau et Mathilde Seigné. Ah bah, il... et bah voilà, ah bah, eh ben voilà. Il n'y a, ah bah, a plus de surprise. Bonjour. <laughs> bonjour Mathilde Seigné, euh, Merci d'avoir accepté d'être la rédactrice en chef de Journal inattendu sur RTL. Vous êtes depuis huit jours au théâtre de Paris dans une pièce d'Eric Assous, La Nouvelle, avec Richard Berry. Alors on va bien sûr parler de ce grand retour sur les planches hein, après deux années plutôt consacrées au cinéma et. Quatre ans que je n'avais mmh. pas fait de théâtre depuis Nina. Ans. Voilà. Depuis euh, Nina. Bah, on y reviendra effectivement. On va surtout parler de votre vie, de votre regard sur l'actualité, qu'on va d'ailleurs développer dans un instant avec le journal, de votre franc-parler aussi, c'est une marque de fabrique évidemment, mm -hmm. euh, et puis de votre carrière bien sûr, tout ce qui fait de vous l'une des comédiennes préférées des Français. Ça va, t'es toute pâle, tu es le fond de teint. Tu parles, t'es encore tombé sur un as, oui. T'en fous la paix ça. On me raconte pas que tu t'es tapé les 11 d'une équipe de rugby. D'abord ils sont 15 et c'était juste un fleur. Euh, je te présente Harry, on était au lycée ensemble. Bonjour Claire. Bonjour. On a acheté cette maison pour se reposer. Et... C'est les galères qui s'accumulent. Les travaux n'en finissent pas, on est crevé. Paul, je pense à toi. C'est mon beau bouffeur de Minou signé Buny. Mon mari est un bouffeur de Minou. écoute moi bien, Paul Gattino. <laughs> tu vois mes fesses là. Les voilà. Déjà, tu les touchais pas beaucoup, mais alors là, tu les toucheras plus du tout. Mais tu vas en chier, mais tu sais même pas comment tu vas en chier, toi regret tu regrettais de plus traverser la haie pour venir au collège, les lasagnes à la viande de cheval de la cantine, le café à la chaussette de la salle des profs et nos anciennes prouesses sexuelles sur ton bureau évidemment. Grâce à toi, j'ai jamais pris un seul antidépresseur, un cas unique dans toute l'éducation nationale. Voilà, vous aviez sans doute reconnu Vénus Beauté. Ah, la radio. Ah oui, oui, ah. oui Vénus Beauté, Harry, Sam. Et... Alors, Sam, c'était le dernier, c'était la télé. Sam, c'est la série de la Valérie, oui, voilà. de, de la télé. Ouais. Et puis Camping, bien sûr. Hein, avec camping cet extrait. avec cette, euh, cette scène mémorable où je montre donc mon postérieur. C'est vraiment le vôtre, d'ailleurs, qu'on voit là-bas. Ah oui, c'est vraiment le mien, mais je le montrerai plus aujourd'hui. <laughs> Mathilde Seignet, vous <laughs> vous décrivez comme une actrice provinciale et agricole. Oui, alors ça, c'est les. Mmh. Euh, enfin, fait, je l'ai dit une fois, et qu'est-ce que j'avais pas dit Parce que maintenant, c'est repris euh, systématiquement, parce que je le répète quand même pas tout le temps. Non, mais ce qui est certain, c'est que euh, la vie des agriculteurs, euh, ça vous parle, ça vous ça vous. Oui, inquiète. oui, moi, c'est mon coup de gueule. Eh ben on y reviendra puisque vous avez commandé un, un reportage sur les, les difficultés, le mot est faible, des agriculteurs. Et puis la famille, évidemment, c'est sacré, dites-vous, on vous comprend, quelle famille Et d'ailleurs, dans la famille saignée, vous avez appelé la petite sœur, ouais. Marie-Amélie, qui elle a choisi la musique et la chanson, ce sont vos autres passions. Et elle sera parmi nous tout à l'heure, voilà pour le programme. Il y aura peut-être des surprises, on verra. Vous faites cette émission. Euh, vous n'avez qu'une contrainte, en fait, c'est de dresser, pour commencer, votre autoportrait. Improvisé, j'ai l'impression, mais euh, on vous écoute. Bah, oui, déjà, déjà, bon, je m'appelle Mathilde Seigné, ça, ils le savent. Mmh. J'ai 49 ans et demi. Euh, je suis d'une grande lignée de comédiens, mon grand-père, ma tante, Françoise et ma soeur, mes sœurs. Euh, j'ai euh, j'ai des passions j'ai passion de, de l'équitation j'aime la chanson française et, et j'aime le, le, le terroir français d'une manière générale. Eh bah, bien voilà. ça tombe très bien l'équitation le, le terroir la chanson française voilà. eh bien on en parlera dans ce journal Eh bien c'est super je suis contente. Eh bah, ben c'est parti. <laughs> Avec l'actualité, tout d'abord le défi de Jean-Luc Mélenchon, euh, objectif de la France insoumise 100 000 manifestants à Paris cet après-midi entre Bastille et République, vaut mieux éviter le quartier. Les ordonnances réformant le Code du travail ont été publiées ce matin au journal officiel pour une entrée en vigueur immédiate. Euh, sans doute un nouvel essai nucléaire en Corée du Nord, un séisme probablement dû à une explosion a été enregistré ce matin. La première sortie publique de Marine Le Pen après le départ de Florian Philippot, elle entame une tournée nationale auprès des militants. À Londres, plus de Uber, les VTC de la compagnie sont bannis de la capitale britannique pour leur manque de responsabilité. On verra si ça peut arriver en France. Et puis le foot avec Lille qui s'enfonce dans la crise après une défaite 4-0 face à Monaco hier soir. Et puis les bonnes nouvelles nous viennent de Valérie Quintin. Mais ça, c'est pas souvent. Non, mais là, aujourd'hui, <laughs> c'est le cas. Ouais. C'est vrai qu'il fait beau, qu'il va faire beau. Alors j'ai quand même deux, trois petites broutilles. D'abord, il y a des petits nuages qui sont en train de circuler sur l'extrême nord et ça donne deux, trois gouttes de pluie de rien du tout sur la côte d'Opale. Ça va filer rapidement. Et puis on a eu une petite remontée nuageuse aussi de Méditerranée. Là aussi, ça a apporté quelques gouttes sur les Alpes-Maritimes. Pour les autres, une fois que tous les derniers brouillards seront dissipés, ça ne saurait tarder maintenant. Il fera beau partout. Ça fait très, très longtemps que je l'ai pas dit, ça. On on va juste avoir quelques orages ce soir entre les Alpes du Sud et la Corse. Dans la foulée, les températures grimpent un petit peu. Pas trop, mais quand même, on dépasse les 20. On a 20 à Lille cet après-midi, 21 sur Strasbourg, 22 à Paris, 24 à Nantes et Lyon, 25 à Ajaccio, 27 à Bordeaux et 28 à Agen. Merci Valérie. J'ai fait de mon mieux. Oh. <laughs> journal inattendu sur RTL. C'était parfait et c'est vrai que ça fait du bien, vous le disiez Valérie, après une semaine bien maussade. Grand beau sur quasiment tout le pays. Dans le nord, ce sera même mieux que pendant le mois d'août. Pas de mal, hein? De quoi profiter euh, comme Bebel d'un beau week-end. Asuitcot, Maxime Wolf. Brouillard mais soleil matinal dans le nord à 8 côtes et 12 degrés à 10h, l'occasion de faire une dernière beauté à son jardin. Bah ça permet de prendre un peu de temps pour finir le jardin pour bien préparer l'hiver. Les dernières tailles d'arbres, les dernières tontes. Vu que bientôt on pourra plus ramasser les verdures. Il fait assez bon ce matin. Vous avez froid les filles Non. non. L'été a été, a été assez moyen. D'habitude on a un mois de septembre assez doux. La semaine dernière c'était pas le cas. C'est la dernière, dernière ligne droite, dernier beau jour. En taille les ans, on les met à une hauteur plus raisonnable. Avant l'hiver Oui, ouais, voilà, avant l'hiver. Ça va pas trop froid là non, ça va, ça va. Temps agréable, ça réchauffe. <laughs> et il y aura encore quelques jours de rab, un temps globalement ensoleillé et 20 degrés l'après-midi sont prévus jusqu'à mercredi dans les Hauts-de-France. Et bien que tout le monde en profite, Mathilde Saigné, avant de retourner au théâtre, va peut-être en profiter dans, dans les rues de Paris, je ne sais pas, Mathilde. Du soleil Après cette émission, oui, du soleil, pourquoi pas. Pas tellement le temps, j'en ai deux aujourd'hui. Hein. Oui, c'est à quelle heure la première 17h. Euh, bah peut-être que vous profiterez du, du soleil un petit peu, comme vont le faire peut-être les manifestants qui sont opposés à la réforme du Code du Travail. Certes, les cinq ordonnances signées par Emmanuel Macron ont été publiées ce matin au journal officiel. Certes, plusieurs d'entre elles vont s'appliquer dès maintenant. Mais pour être pérennisées, les ordonnances devront quand même être ratifiées par le Parlement. Et donc, pour Jean-Luc Mélenchon et les dirigeants de la France insoumise, eh bien, la messe n'est pas encore dite. La rue aurait encore son mot à dire. L'objectif, c'est 100 000 personnes au moins cet après-midi à Paris. Le défilé va partir à 14h de Bastille, direction République. Et donc on va à la Bastille retrouver Julien Fautra. Euh, Dites-nous, Julien, est-ce que les manifestants euh, commencent à arriver ah bah Oui, la place se remplit petit à petit. Elle n'est pas encore fermée à la circulation. Les militants de la France insoumise et les manifestants se contentent pour l'instant des trottoirs autour de la place et des marches de l'Opéra. C'est là, sur ces marches, que les plus consciencieux s'entraînent, font des vocalises avant le début de la manifestation. La la la, la la la, 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 la. vous avez chanté du Mozart. Bon, ben voilà. Michel, une fervente militante mélenchoniste est prête depuis longtemps. Sourit-elle très remontée. Michel contre les ordonnances signées hier. Des dizaines de pins recouvrent son blouson en jean en signe de mécontentement. Ben moi, j'arrive de Toulouse et voilà, je vais rejoindre mes amis là, à la Place de Bastille. Est-ce que j'attends cette manif qu'on soit très nombreux? aussi nombreux qu'au ben, mois de mars, que dans tous les meetings de Jean-Luc Mélenchon au moment de, ben, des manifestations. Euh, et, puis, et puis ce que j'attends, ben, surtout ben, qu'on arrive à faire fléchir euh, ce qui est en train de se passer, ça ce coup d'état social. Voilà, voilà coup d'état social dit cette manifestante. En tout cas hier en Conseil des ministres, Julien, on sait que le président s'est inquiété, je le cite, un hein, des discours haineux qui alimentent les militants radicaux. Est-ce que ça veut dire que ce sera un défilé sous haute surveillance En tout cas, Vincent, c'est un enjeu. Hein. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Christophe Castaner, déclare, dans ces mobilisations, il y a des expressions de militants d'extrême-gauche. Qui porte de la violence. Ces mots sont évidemment stratégiques. La pression est sur les épaules de la France Insoumise et notamment de son service d'ordre. Le dispositif de policier est lui très important. Des barrages vont être installés dans quelques minutes sur toutes les artères de la place de la République. Manu, par exemple, militant parisien, redoute des débordements. Tout le monde, je pense, a peur des débordements. On n'a pas envie de violence. On est contre la violence. On veut justement faire une révolution citoyenne. Donc euh, oui, la violence, ça, ça ne mène nulle part. On, on ne veut pas de violence. Manu qui est en train de coller des affiches, il le fera tout le long du parcours de la Bastille à la République. Julien Fautra, à la Bastille, Bastille, République, bah, c'est n'est pas le chemin euh, du théâtre de, de Paris. Hein, non, où vous jouez, ça sera... sera c'est déjà le bordel, en tout cas, <laughs> c'est tout ce que je peux constater. Quand on joue... Les Français sont jamais contents. Ouais. On, on est dans une bulle, on, se, on, on arrive à quand même à, lorsqu'on est au théâtre au quotidien, à, à s'intéresser à ce qui se passe. Non, bien sûr, ouais. théâtre que, enfin, là, on, le week-end, c'est chargé, puis si on a trois, trois d'un ouais, coup. Ouais. Mais on, moi, je joue que le soir à 20h30, toute la journée. Je de la télé. Et quand vous regardez ces manifs, vous vous dites, les Français sont jamais contents. Bah, ils sont jamais contents, puis c'est le bordel de nouveau. Mmh. C'est-à-dire que si c'est Hollande, c'est le bordel, Macron, c'est le bordel. Enfin, j'ai l'impression que ça sera tout le temps le bordel. Un, un mot de l'actualité à l'étranger, parce qu'on a appris que la Corée du Nord a sans doute procédé ce matin à un nouvel essai nucléaire, un séisme de 3-4 a été enregistré, euh, l'épicentre est quasiment le même que celui de la secousse du 3 septembre. On sait que cette secousse du 3 septembre a été provoquée par un essai nucléaire nord-coréen. On marque une courte pause et puis dans un instant on évoque Marine Le Pen en mode reconquête. A tout de suite. Le journal inattendu sur RTL avec Vincent Parizeau et Mathilde Seignier. Marine Le Pen est à Toulouse aujourd'hui. C'est sa première sortie sur le terrain depuis le départ. Jeudi de Florian Philippot, la présidente du FN, en fait, entame une tournée nationale auprès des militants. Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes donc à Brucker, là au nord de Toulouse. Marine Le Pen veut reprendre le Rennes, mais, mais pourquoi faire alors eh bien pour préparer le congrès du Front national qui se tiendra en mars prochain à Lille et ce matin avant de rencontrer les militants Marine Le Pen explique dans quelle optique la refondation du parti doit être menée. Le Front national n'est définitivement plus un mouvement d'opposition. C'est un mouvement qui doit donc acquérir une culture de gouvernement. Et le chantier est vaste, nouveau concept, nouvelle stratégie, nouveau nom peut-être. Il faut s'appuyer sur la gestion pragmatique des municipalités FN. Quant au départ de Florian Philippot. C'est déjà du passé. Et à ceux qui croient avoir le champ libre, avec le départ de son ex-bras droit, Marine Le Pen lance cet avertissement. Cette ligne, ni droite ni gauche, je l'ai portée, conçue et incarnée depuis 15 ans. Euh, la dédiabolisation, on peut quand même m'accorder que euh, j'en ai été euh, la première instigatrice. Que ceux qui sont en désaccord se le tiennent pour dit et présentent un candidat contre elle au prochain congrès. Marie-Bénédicte Allaire. Euh, on, on parle de politique ou on parle pas de politique euh... non, de, de, de Marine Le Pen, par exemple. Non, non, on n'en parle pas particulièrement, mais je, je, je peux comprendre que des gens euh, votent pour elle. Hmm. Des gens excédés. Euh... On aura le bol des, 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 des présidents succès. Je peux, je peux comprendre. Mmh. Comme je peux comprendre pour Mélenchon également, mmh. qui sont à peu près euh, pareils. Euh, euh, je ne sais pas si vous utilisez Uber, le service. Pas de... du tout. Bon, alors en tout cas, à Londres, grosse surprise hein, pour les utilisateurs, parce que euh, Uber a perdu sa licence dans la capitale britannique. Et pourquoi parce que, bah, en raison des casiers judiciaires de certains chauffeurs, ah, en raison de leur <laughs> laxisme, parce qu'ils ont tendance à ne pas dénoncer les crimes ou les délits dont ils sont témoins, et puis en raison de l'usage d'un logiciel ils utilisent un logiciel qui leur permet d'éviter les contrôles policiers dans les zones où ils n'ont pas le droit de rouler. Donc, pas de Uber. À Londres. Et du coup, certains se demandent, Martial You, si chez nous aussi, Uber pourrait être menacé. Le cas de Londres est très particulier et il ne peut pas se, se dupliquer en France, en fait. TFL, l'autorité de régulation, euh, est un organisme municipal qui ne se prononce que sur la circulation des taxis à Londres. En France, c'est le ministère des Transports qui donne les autorisations sur tout le territoire pour les VTC. Il faut présenter un casier judiciaire vierge, passer un concours pour pouvoir circuler, obtenir une licence. C'est un cadre beaucoup plus strict. Le renouvellement des licences Uber de Londres arrivait, lui, à échéance à la fin de ce mois. La TFL, donc l'autorité, a décidé de ne pas autoriser la plateforme à continuer. Après les attentats qui ont frappé la ville, c'est aussi un moyen de mettre la pression sur le géant californien afin d'obliger les chauffeurs à mieux communiquer avec les forces de l'ordre lorsqu'ils repèrent des comportements suspects. Ça n'était pas suffisant selon l'autorité londonienne, une critique fortement contestée par Uber. Merci Martial You Et comme vous n'utilisez pas Uber, on ne va pas faire de commentaires. Non, non, mais c'est surtout ça fait du tort aux taxis, j'imagine mmh. aussi, mmh. non Bah oui, bah du coup les taxis londoniens la, la doivent être contents bah oui, de oui, cette oui. interdiction. Le, le football, ça vous intéresse Pas du tout. Bon, bah, je vais quand même dire que euh, du côté de Lille, ça va mal. Hein. Lille qui a encore perdu hier soir 4-0 les Lillois en Bulatas face à Monaco. Euh, et Marcelo Bielza, l'entraîneur, dit qu'il est impossible de ne pas être inquiet et qu'il se sent responsable à noter le match nul de partout entre Nice et Angers. Et sachez que cet après-midi à 17h, Montpellier accueille le Paris Saint-Germain. Mathilde Seignet, vous êtes donc au théâtre de Paris avec Richard Berry dans cette pièce d'Aïkasus, La Nouvelle. Tiens, pour comprendre, euh, on va aller droit au but. Je vous propose d'écouter ce petit pitch. J'ai décidé de me remarier et il faut que j'en parle à mes enfants. Papa va nous présenter sa. Comment dire Sa nouvelle. c'est hein. oh, okay, ça, sa nouvelle. Ah, la nouvelle, c'est moi. Et c'est pas facile la place de nouvelle. Mais si. J'ai un peu l'impression de comparaître devant un tribunal. Mais non, sont mes filles, je les connais, je les sens, tu vas voir. Moi, c'est Niette, pas besoin de belle-mère. Moi non plus. Je pressentais un moment difficile. Et effectivement, ça va être un moment euh, difficile, cette première rencontre entre la nouvelle femme de Richard Berry et ses deux grands garçons. Oui, mais c'est le cas souvent dans la vie. Hein. Mm. C'est une situation on a qui jamais jamais fait, une position mais... C'est jamais une position facile d'être la nouvelle. Mm. En l'occurrence, la, 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 la femme est, est décédée, donc c'est encore un peu différent. On, on se dit qu'ils devrait quand même accepter que leur père refasse, refasse mm. sa vie. Mais en l'occurrence, c'est jamais facile d'être aimé de ses, ses beaux-fils ou de ses belles-filles parce qu'ils n'ont pas le droit de nous aimer. Mmh. C'est-à-dire que c'est une situation banale, mais en, effet, mais en fait, au sein des familles, pas banalisée du tout parce qu'il euh, y a de toute façon de l'électricité dans l'air. Bien sûr. Ce qui mmh. est intéressant dans l'angle et le point de vue d'Éric Assousse, qui écrit toujours des pièces formidablement habiles euh, et, et intelligentes, c'est qu'elle est, est décomposée, la famille. Là. Elle n'est même mmh. pas recomposée. Mmh. Elle est en. Hum. en face de se composer. Ouais. Donc il a pris ce premier déjeuner. Ça, je crois que ça avait jamais été traité de cette manière. Euh... Parce que tout le monde a le trac. Vous, Mado, vous avez bah, le track. Moi, j'ai le trac parce qu'on est... Il y a une fébrilité. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et... Oui, on a le trac, on, on sait qu'on ne sera pas aimé. D'ailleurs, elle, elle sent très bien que ça va pas être facile, et lui dit que ça sera une formalité. Oui. Et au fur et à mesure de la pièce, on verra que c'est moi qui avais raison. Oui, et, et, et effectivement, et elle prend sur elle, hein, parce que euh, oui, oui. Les, les deux garçons de Simon ne la ménagent pas, euh, mais quand même, elle, elle fait bonne figure, euh, tout d'abord, et puis le rôle évolue au Fur et à mesure de la pièce, bah, c'est-à-dire que le rôle évolue, et puis comme c'est moi qui le joue, euh, parce que Mado, euh, Mado, elle est, elle est ce qu'en fait l'actrice qui va la jouer, c'est-à-dire mm. comme c'est moi qui la joue, c'est ma nature à moi, à Mathilde, qui, qui mm. prend le dessus. Mais on a, a, a l'impression même que c'est un rôle qui a été écrit pour vous, pas tout à fait. Alors, pas tout à fait au départ, il a été beaucoup réadapté par Eric Assous et Richard Berry pour moi, quand même. Mm. Mm. Donc, c'est vrai qu'on sent très vite qu'elle a, qu a de l'autorité, du caractère, et, 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 et sans dévoiler le 3 qui est un. Hmm. une explosion de saveurs. Pas <laughs> ouais, parce qu'on imagine que dans la vraie vie, euh, on vous dirait le, le quart de ce que. De pas ce forcément que ces deux cartes, justement. C'est là où c'est là où je suis beaucoup plus soumise et beaucoup plus gentille et je donne beaucoup plus le change que j'en ai l'air. Ah oui. Oui. Donc non, en fait, je ne sais pas si je serais pas très gentille et et je sais aussi composer et faire avec. Donc. Euh, je sais pas. Ça fait. veut dire que vous n'êtes pas forcément euh, la même dans la vie privée que vous l'êtes sur un plateau de, de télé ou un studio de radio Oui, ou enfin, autre. de moins en moins sur un plateau de télé, parce que j'ai malheureusement la. Euh, était obligé de, 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 de la fermer un peu, si je puis dire. Mmh. Donc je, parce qu'on est dans une époque où on a régressé totalement, c'est-à-dire qu'on est d'un qu consensuel absolument dingue. Mmh. Une époque dans les années 70, tous les acteurs, les, toutes les actrices, les acteurs pouvaient dire qu'il y avait une liber liberté de tour. Mmh. Hein. Aujourd'hui, on est tout de polaire. suite lynchés par les réseaux bah, sociaux. Aujourd'hui, il mmh. y a, y a l'espèce de fausses émissions euh, où les, 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 les types attaquent les invités. Mais en fin de compte, tout ça est assez, euh, est assez malveillant, mais c'est même pas drôle. Mmh. C'est même pas euh, comme c'était comme Polac ou comme une époque euh, où les débuts d'Ardisson. Mmh. C'est même pas très franc du collier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, ne faut rien dire. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Mais c'est dommage. Donc dommage. du coup, vous ne dites rien ou vous... Non, je, dis de, je mmh. fais attention à tout ce que je dis. Ouais, mmh. Ouais, mmh. Et, et, et d'ailleurs... Euh, il, il, il le faut parce que ça se retourne contre moi beaucoup plus que... Hum. Voilà. En tout cas, vous l'avez dit, c'est un retour au théâtre. La dernière fois, c'était pour Nina, euh, 2013, c'est ça ça vous a fait du bien, ça de retrouver la scène Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut, ça se met, on se met en danger. Parce que j'ai lu que vous trouviez que le rythme du théâtre était un peu exigeant, un peu chronophage, au détriment, par exemple, de la vie de famille. Ben c'est épouvantable. Non mais je veux dire, c'est bien mais c'est épouvantable. Oui, c'est épouvantable. Non, c'est un mot trop fort. Mais je veux dire, c'est très dur parce que c'est tous les soirs. Il n'y a plus de soirée. Moi, c'est surtout les week-ends. C'est-à-dire le regret, c'est mes petits week-ends. Les deux, le samedi et le dimanche. On a vraiment une, il y a une asphyxie comme ça de... En même temps, euh, c'est une petite bulle mmh. avec... Euh, et j'ai la chance d'avoir une troupe, encore une fois, après Berléand et François-Vincent elie dans Nina, j'ai de la chance d'avoir ah, ces jeunes qui sont merveilleux, les Féliciens et Rudy et Héloïse, mmh. que j'ai plaisir à voir tous les jours et à retrouver tous les jours. Mais c'est vrai que c'est une petite parenthèse dans... Dans l'année, ça ne dure que 4 mois, et puis on se met en danger, et puis au cinéma, on s'endort un peu. Donc là, on ne peut pas dormir. Hein. Elle est au théâtre, donc Mathilde Seigné avec Richard Berry dans cette pièce Cassous, la nouvelle. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais là, on va marquer une courte pause, et dans un instant, euh, comprendre pourquoi Mathilde Seigné déclare qu'elle est une actrice agricole. A tout de suite. Le journal inattendu sur RTL, avec Vincent Parisot et Mathilde Seigné. Mathilde Seigné, en préparant cette émission, vous avez souhaité qu'on fasse un reportage sur les difficultés, le mot est faible, évidemment, oui. des agriculteurs. Mais euh, juste un mot, vous dites, euh, je suis une actrice provinciale. Alors vous l'avez dit une fois, effectivement, c'était dans le journal du dimanche la semaine dernière. Euh, provinciale euh, non, mais, oui, oui, oui. et agricole. Oui. C'est quoi une actrice agricole oh, bah, C'est pour faire un petit, petit mot rigolo. Mmh. Euh, provinciale c'est-à-dire que moi j'aime bah c'est depuis une hirondelle c'est-à-dire qu'en fait moi je ferais bien que des films comme une hirondelle c'est un film qui hein, un, deux, vraiment trois marqué, je ferais 20 ça, hirondelles avec michel serrault oui mais c'est surtout c'est là que j'aime le faire du cinéma c'est-à-dire dans, dans, quand je suis dans la, dans la terre dans les vignes euh dans, dans, le, dans le, le terroir dans les chèvres dans les vaches dans voilà je mmh. n'aime enfin, je pourrais jouer avec des paysannes c'est assez curieux d'ailleurs parce que je joue d'autres choses c'est mmh. pas que je sais pas jouer d'autres choses ça peut être réducteur et puis j'aime la campagne j'aime la France j'aime voilà, ça va faire euh, euh, Jean-Pierre Pernaud, Poujadis, tout ce que vous voulez, mais je, suis, je me sens rural. Pourtant, je suis parisienne. Et donc, place au reportage, le correspondant d'RTL dans l'Ouest est allé à la rencontre de Pierrick. Pierrick, c'est un éleveur bovin de Vendée, il est en redressement judiciaire, ça fait 4 ans maintenant. Seule issue pour lui, c'est de travailler à côté, il a des journées absolument infernales, vous allez l'entendre, il témoigne de cette spirale, reportage signé Patrice Gabard. Oui, lorsque Pierrick s'installe en 2000 dans l'exploitation familiale de saint hilaire de loulay en Vendée, c'est par la passion du métier. Le marché est déjà tendu, mais le prix du lait permet encore d'en vivre. Alors, quand ses parents partent à la retraite en 2007, il emprunte pour reprendre leur part et prend un ouvrier, un apprenti pour l'aider dans sa tâche. Malheureusement, un an plus tard, c'est la crise du lait, des prix qui s'effondrent, le début d'un terrible engrenage. Je me levais le matin en disant ben, Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures à la fin de la journée quoi les factures s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Les gens, dans un premier temps, ils, ils laissent de la souplesse, mais mine de rien, on en laisse tellement un peu partout que ça finit par plus être vivable, quoi. Mais pas question de lâcher. Alors, Pierrick se bat avec l'aide du pôle Réagir, un service de la CGA, la Confédération Générale Agricole, qui accompagne les agriculteurs en difficulté. Et en 2012, l'exploitation qui va accuser jusqu'à 420 000 euros de créances est placée en redressement judiciaire. C'est aussi l'heure de la reconversion, car avec le lait, impossible de s'en sortir. Il y a quatre ans, donc, Pierrick décide d'abandonner sa salle de traite pour produire des veaux avec un troupeau de vaches dans les champs à longueur d'année. Une reconversion bio qui demande du temps pour pouvoir en vivre, ce qui le conduit aussi à travailler à l'extérieur. comme ça. Aujourd'hui, moi je travaille dans un laboratoire de volaille. Donc je me lève à 2h30, mon embauche est 3h30, et, et puis ben, la débauche, c'est quand la volaille est abattue. Grosso modo, vers euh, 13h, on va dire. Et puis le, le reste de l'après-midi, ben, je m'occupe des animaux, la surveillance de mes animaux. Sans ce travail, je ne pourrais pas garder ma ferme, alors qu'on est bien de garder ma ferme. Un combat qu'il ne pourrait pas mener sans l'aide de son épouse, professeur des écoles. C'est elle qui a venir au besoin d'un moment de, de la vie de famille, et puis ben, même un petit peu de la ferme, parce qu'on a pris de son argent pour pouvoir payer des, des factures. Quoi. Mais la route est encore longue, car pour l'instant, la vente Dévot une trentaine d'animaux par an, soit environ 21 000 euros de recettes, couvre à peine le remboursement de la dette, 20 000 euros par an, auquel on peut aussi ajouter 14 000 euros de fermage, le loyer d'une partie des pâturages. Sans les aides PAC, impossible de résister. Des aides qui se montent aujourd'hui pour Pierrick à 55 000 euros. On reste très dépendant des aides et un peu trop. S'il n'y avait pas les aides aujourd'hui, je serais incapable de pouvoir vivre. À l'heure actuelle, c'est trop difficile. Je vis avec que 900 euros par mois. Parce que tout, tout mon salaire que je me fais à l'extérieur, ça passe en la ferme. Voilà. Les factures sont payées là euh, pas toutes, non. Non, pas toutes, fausse faut On attend souvent les, les primes pactes pour euh, finaliser les factures. Alors aujourd'hui, Pierrick, 46 ans, marié et père de trois enfants, s'accroche en espérant voir le bout du tunnel en 2025 à la fin de son redressement judiciaire. Je voulais réagir pendant le reportage. Non, non, mais je suis... Euh, moi, je suis... Bon, j'ai deux coups de gueule. J'ai un mmh. peu... J'ai les agriculteurs, bien sûr, que je mets en avant aujourd'hui, puis les retraités, je trouve que les, les mesures ne hein, sont pas terribles. Bon, moi, je m'adresse vraiment à Emmanuel Macron et à Stéphane Travers, le, le, le ministre de l'Agriculture, parce que je ne comprends pas, c'est quand même eux qui nous font manger, mmh. je ne comprends pas pourquoi on ne les aide pas. Il y en a, la, la plupart se, 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 se suicident, ils vivent avec pas un rond, ils travaillent comme des dingues. Alors, il y a des aides je, européennes. Oui, il y a des aides on, européennes. On, 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 on et Il y, y a la crise quelque ou je ne sais plus, il y a des ai aides. quelque chose, euh, le, le prix, euh, un veau, lui est Payer 700, oui, 700 euros. Et... C'est moins cher qu'un iPhone. Ouais, ouais, bah oui, bah oui, bien sûr. Non, non, mais je veux dire, il y, y a tellement de choses à dire. Moi, j'avais vu un reportage édifiant où, où, où il était en, en saisie, donc ruiné. Et, on... et en plus, on leur emmène, on leur saisit leur bêtes. Mmh. Donc, ils pleuraient parce qu'il y a un affectif. Ce sont des gens, je ne sais pas pourquoi les gouvernements successifs ne les aident pas plus. C'est vraiment les gens qu'il faudrait aider aujourd'hui en France, les agriculteurs. Mais moi je suis, c'est pas parce que je suis une actrice agricole que je dis ça, mais oui. je trouve ça dément qu'il y ait pas, euh, ils ont pas, il faudrait qu'ils payent moins de charges, il faudrait qu'on les aide à tous les niveaux. C'est quand même très très important. Et puis d'aider aussi les petits exploitants. Alors ça commence, on commence à, à vraiment faire vivre les petits exploitants. Mais franchement c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Voilà le cri du cœur de Mathilde Seigné. Les agriculteurs, euh, les retraités, on aura peut-être euh, l'occasion Oui, parce que ça, euh, je trouve que la mesure, ce n'est pas terrible. Aussi. Et puis j'aurais aussi voulu parler, puisqu'on on parlait de la terre, hein, de ce rapport à la, à la nature, de votre passion des chevaux. J'espère qu'on va pouvoir le faire un petit peu plus tard dans cette émission. Là, on va marquer une courte pause. On va faire les infos. Préparez-vous à faire mis ce Météo, Mathilde Seigné. Hein et, 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 et ensuite, on aura la visite de votre petite sœur, voyez-vous. D'accord. Le journal inattendu de Mathilde Seigné. 13h, les titres de l'actualité, Vincent Parizeau. Avec la manif de la France insoumise cet après-midi à Paris, Bastille République contre la réforme du Code du Travail, Jean-Luc Mélenchon espère 100 000 personnes dans les rues. Les ordonnances signées par Emmanuel Macron ont été publiées ce matin au journal officiel. Plusieurs d'entre elles d'ailleurs s'appliquent dès maintenant, mais l'ensemble devra quand même être ratifié par le Parlement. Sans doute un nouvel essai nucléaire en Corée du Nord, un séisme probablement dû à une explosion, a été enregistré ce matin. Un arrangement en vue entre Paris et Rome au sujet des chantiers Saint-Nazaire et STX France. Paris ne serait plus opposé à l'idée de donner la majorité à l'italien Fincantieri. Marine Le Pen qui part à la reconquête de ses militants après le départ avant-hier de son numéro 2 Florian Philippot. Elle est à Toulouse aujourd'hui. Le départ de Philippot c'est déjà du passé a-t-elle dit. Le football avec le carton de Monaco à Lille hier soir 4-0. Nice et Angers 2-2 et tout à l'heure à 17h Montpellier qui accueille le Paris Saint-Germain. Et puis le meilleur et pour la fin c'est la météo. Tout d'abord parce qu'il fait beau et, et surtout parce et que c'est présenté par moi. Eh ben voilà, c'est Mathilde Seigné. <laughs> je vais peut-être me recycler si je travaille plus. Alors, météo ensoleillé partout en France cet après-midi avec des passages nuageux un peu plus nombreux vers l'Alsace, la Lorraine et les Ardennes. On notera également en soirée quelques orages possibles dans les Alpes et sur la montagne corse. Températures iront de 19 à 28 degrés du nord au sud. Il fera 22 à Paris à Dinard et à Saint-Laurent-du-Var. Est-ce que je l'ai bien ben fait C'était parfait. Bon, voilà, comme ça, si jamais j'ai plus de travail. <laughs> non, mais vous le faites très bien. Vous, faites, vous êtes de ceux de celles qui, euh, qui lorsqu'ils ouvrent la, les volets le matin, euh, regardent s'il fait beau et ils sont de bonne humeur, s'il y a du soleil. Ils sont euh, oui, oh, si oh, ni, peut ni pas. Oui, ni bonne humeur ni de mauvaise mmh. humeur. Je suis rarement de mauvaise humeur, mais, mais par contre, je, je souffre un petit peu maintenant du nord de la France, c'est-à-dire mmh. que le manque de lumière... Euh... Peut-être que j'irai vivre un peu dans ouais, le sud. Un petit peu plus Oui, bas. Oui, oui, oui. Je trouve que Paris hein, manque un peu de lumière. Oui. Euh, une question avant d'accueillir votre petite sœur. Euh, vous êtes, vous avez toujours la passion des chevaux. Toujours. Toujours. Hum. J'ai moins le temps de monter, mais c'est un, un animal. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, vous dire pourquoi que je j'aime tout, tout dans chez cet animal, l'odeur, le ce que ça véhicule aussi. Parce que comme j'aime la nature, j'aime. Voilà galoper, mmh. je trouve que ça vide la tête. Je trouve que c'est puis c'est beau un hein, cheval, c'est mmh. tellement beau. Mmh. Euh, tenez, je vous propose d'écouter ça un instant. J'ai toujours eu peur, même quand j'étais petite. Juste maintenant, j'arrive plus à faire semblant. Pourquoi voulez-vous monter à cheval Mais je veux pas. Alors qu'est-ce que vous faites là Rien. J'étais en panne. Tous ceux qui arrivent ici sont en panne, d'une façon ou d'une autre. Vous boitez J'espérais que ça se voyait plus. On ne renonce jamais aux chevaux, vous savez. C'était dans avec lui, ah, hein. ouais. euh, un petit peu ému parce que oui, Valérie Guignabodet, euh, la réalisatrice voilà. qui était très proche de vous et qui partageait avec vous cette passion des chevaux oui, oui, et oui, disparu. Oui. Euh, oui, oui. Elle avait d'ailleurs, je crois, acheté le cheval du film. Exactement. Ouais. C'est Exactement. Euh, ouais. un des moments intenses de votre carrière d'actrice euh, dans sa avec lui. Il ah, bah, y a deux, deux films, ouais. pas deux, non, il y en a plein. J'adore Harry, j'adore Vénus, ouais. j'adore plein de films que j'ai fait. Mais Danse avec lui et Une hirondelle a fait le printemps, je trouve que moi, c'est des films qui... D'ailleurs, qu'on marqué les Français, parce que je remarque quand même une chose, c'est que sans prétention, euh, en France profonde d'ailleurs, ou même euh, ailleurs, dans Paris, euh, on, on, on est ému en parlant d'une hirondelle et de Danse avec parler. lui. Ce sont les films. Mais dont on les gens parler. sont émus, mmh. donc c'est. Mmh. ça veut dire que ces films, d'abord ils ont beaucoup marché, parce mmh. que Danse a fait plus d'un million d'eux. Et puis, euh, et puis une hérondelle, un carton aussi et donc voilà, c'est des films qui presque sont rentrés dans le cœur des Français tant mmh. le... Alors Mathilde Sénier lorsqu'on vous a demandé qui vous souhaitiez inviter euh, vous n'avez pas réfléchi 107 ans euh, c'est pas votre genre d'ailleurs, la non. réponse a fusé ma petite sœur, ah bah oui. Marie-Amélie C'est mon coup de cœur, j'ai eu mon coup de gueule mais et Pourquoi, et mon coup de cœur. pourquoi Parce que c'est la famille que vous sentez très proche oui, d'elle parce, ou... que, parce que c'est la famille bien sûr et que c'est une priorité avant tout, mais parce qu'elle a énormément énormément de talent oui. et que tant qu'à mettre en avant euh, quelqu'un qui a du talent, bah, ma sœur avant, avant tout le monde. Mmh. Et que, voilà, que j'adore ses chansons, j'adore sa voix et que voilà, pour moi c'est une évidence de, 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 de l'accueillir. Alors, bah, bonjour Marie-Amélie. Bonjour, <laughs> elle me kiffe, elle a tous mes disques. Voilà. <laughs> c'est ça. Et, 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 et sans doute qu'elle connaît ça. Il n'y a pas que la chambre qui est en désordre Pas que la télé qui est allumée Le minibar est ravagé You're Alors évidemment, on est limité par le temps, on ne peut pas écouter toute la chanson Marie-Amélie dans les bars des grands hôtels. Ouais. Euh, c'est votre dernier... Euh, on dit EP, hein, c'est ça EP, oui. Euh, C'est-à-dire que l'album ne viendra pas euh, tout de suite 2018. Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, C'est quoi cette chanson sur les bars des grands bah, hôtels euh, C'est très, très moi, j'adore les bars des grands hôtels. Ouais. Et euh... Parce que vous faites DJ aussi hein, Oui, je suis je DJ pour, oui, oui. Euh, et maintenant je fais du design sonore pour... Euh pour des marques, des lieux, euh, des lieux, des, des magasins, des tout ça. Mmh. Mais euh, ouais, je suis DJ, j'adore mixer. En fait, c'est la scène, c'est du live. Mmh. C'est comme chanter, j'adore ça. Est-ce que vous partagez toutes les deux les mêmes goûts musicaux Parce que bon, les oui. vôtres, Mathilde, euh, on les connaît. Hein, vous les affichez régulièrement. On va peut-être se... Juste, tiens, on écoutait un ou deux. Bien euh, sûr. 4 4 heures, 20 piges, ah non, alors... Les soucis ah, mais ah, bah, j'aime bien oui. Benjamin Biolay, qui, voilà. ah, ouais, qui a écrit pour Marie, d'ailleurs. Alors, exactement, ça c'est... Euh, merci Volver. pour les fleurs. Volver. Ah, Volvert j'aime beaucoup. Ça, mais j'aime beaucoup Benjamin Biolay. Hein, ouais. Je n'aime pas que la chanson nostalgique. Hein. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, il y a eu un album, 2005, c'était le premier, vous le disiez, merci Mathilde. Pour les merci, merci pour les, pour les fleurs. fleurs. Vous aviez travaillé avec Benjamin Biolay. J'aime beaucoup Benjamin Biolay. Je trouve qu'il a énormément de talent. Je l'ai connu... Euh, juste après Salvador et j'avais écouté Rose Kennedy et mmh. je me suis dit ce type là va faire une carrière énorme. On ne peut pas tromper. <laughs> euh, cette chanson Volver, euh... vous l'aimez bien, on oui. m'a dit. Oui. Euh, non, une... parce qu'on a l'impression que je n'aime que les chansons d'avant. Ah bah, non, 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 non. J'aime Stromae. Ouais. J'aime euh, bien Zaz, euh, j'aime bien euh, Calogero, j'aime beaucoup Benjamin Biolay et j'aime beaucoup Vincent mmh. Ça fait quand même hein, Et Vianette aime bien aussi. Et Vianney, euh, oh, non moins, mais. Euh... Oui, donc c'est pas uniquement Sardou et Claude Barzotti Bah non, non. Mais j'aime Aznavour, Brel, Brassin, ouais. Beco Ah Non, 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 moi j'aime toute la chanson française. Et il y a une chanson que je crois vous aimez particulièrement. Ah, c'est Céline Une chanson de. Vous allez voir, votre sœur. Ah Mais qui peut comprendre Pardonnez, c'est donner. Il faut avoir le cœur plein. Et le mien s'est vidé. Lorsque soudain, plein soleil, il a fait noir. Lorsque soudain, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir. C'était sur le deuxième Quel album. Chan ouais, chanson de, que, que j'ai faite fait avec mon, mon ami compositeur Jérôme Bardon. Ouais. Elle vous touche, cette chanson, Mathilde Ouais, elle me fait pleurer. Elle vous fait pleurer. Ouais. Et puis je trouve que la chante super bien. Je sais pas, c'est une chanson qui me. Bien fait. Ouais, J'aimerais bien que les gens la, la connaissent plus. Voilà. Eh ben c'est pour ça que vous l'avez voilà. fait venir. Ouais. Euh... Non, mais je veux dire, euh, pas ma soeur, mais, mais la chanson aussi. Ah, cette chanson. On ne sait pas quoi. ce qui fait des tubes, ce qui ne fait pas des tubes dans, dans ce métier. Faut... On ne sait pas pourquoi. Il y a des tubes, c'est nul à chier. On Il faut dit... passer à la radio. Hein <laughs> voilà, la chanson, c'est « Il s'est mis à pleuvoir ». Voilà. Euh, Tiens, puisqu'on parle de, de chansons, il, il vous est arrivé de, de chanter euh... Oh, vous, j'ai poussé la chansonnette pour des, des copains. J'ai chanté avec Aznavour. Euh. Bon, je que chante pas mal, mais je chante pas en rythme, je chante pas très bien. Là, ils m'ont fait chanter à l'émission Théo Café, je, je... Michel Thor. Oui, ah, je, je, oui. pas. Bon. Hier, Moi, je me souviens d'une émission, euh, émission de Johnny. <laughs> Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème pourquoi tu es mon seul souci Récolte ah bah c'est Berléand et moi. Oui. Non, mais je ah, et on m'a dit en régie dans l'oreille, elle chante beaucoup mieux que de <laughs> Non mais ça vous plaît de chanter et, et, et je pense que si. j'aimerais bien faire un album avec Marie, euh, en tout cas un oui. duo. En fait il, a faut soit, il faut que ce soit, il faut que ce soit, ça fait longtemps que ça me trotte mais il faut que ce soit le bon texte, la bonne idée. Voilà. Mais un, mmh. jour, euh, viendra. un mmh. jour viendra, un jour viendra, un jour viendra. Non Parce... non mais. Je, Pas mon prince, J'aimerais mais... bien, parce qu'on a des voix qui s'associent bien, et, et puis notre papa qui écrit des chansons oui. magnifiques, donc pour. Voilà, va bah nous écrire. Mais j'aimerais bien vra vraiment faire un album une fois comme ça. Mais faites-le Bah euh... ben oui il y a plein d'actrices chante... qui font ah Bah Vous le faites et puis vous revenez dans, dans cette émission bah sur RTL pour nous, pour nous présenter l'album. Vous restez évidemment avec nous, Marie-Amélie. On va marquer une courte pause. On va parler de, bah de votre. Soeur. de publicité ou de, de quoi Oui, <laughs> de publicité. Mais elle est très courte, vous allez ah voir. Bon, bon, bon. Et, et on retrouve Mathilde Seigné sur RTL. Elle est la trice en chef du journal Inattendu. À tout de suite. Le journal inattendu sur RTL, avec Vincent Parisot et Mathilde Seignier. Et euh, la petite sœur, hein, qui est toujours parmi nous, évidemment, euh, Marie-Emilie, euh, qui va peut-être pouvoir éventuellement euh, commenter certaines questions qu'on peut se poser. C'est vrai qu'on vous trouve euh, peut-être un petit peu plus sereine qu'avant. On dit souvent que la, que la quarantaine, que la maternité aussi, pour les femmes, ça apaise. Euh, Est-ce que ça a été le cas pour vous Vous avez un garçon qui a une dizaine... qu 10 ans, ans, ans ouais, ouais. aujourd'hui. Il euh, y a un avant, il y a un après ah oui oui il y a un avant et un après un enfant il y a ouais. un avant et un après enfin, vous savez ça quand même oui. ah oui ça change beaucoup de choses dans sa vie ouais mmh. mais je sais pas si la sérénité vient de ça mais ça vient euh, ça vient de, de ma cinquantaine qui arrive et qu'au bout d'un moment bon on s'apaise avec euh, dans sa tête on calme le galop dans sa tête mmh. comme on disait dans mmh. Danse avec lui et, et en même temps on a l'impression aussi que euh, la vie et peut-être parfois les retours de bâton euh, vous ont peut-être aussi euh, euh, amené à à, ah oui, 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 à oui. vous calmer euh, on vous, par exemple vous n'avez pas euh, vous n'êtes pas sur facebook vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux j'ai pas de je suis pas connecté ouais. mais vous les lisez ou pas les réseaux sociaux ah, mais pas du tout j'ai pas l'application enfin j'ai même pas je suis pas branché enfin, je sais pas comment on dit mais vous, euh, vous marche elle est pas chez Bran. Non Mais vous avez Internet quand même à la maison. Bah non, enfin oui, mais. Euh, mais je mais pense qu'elle a raison en fait. Oui. Voilà, moi ah, je, oui. je, je, je m'oblige à le faire, je suis honnête. Alors maintenant il y a un nouveau truc, c'est Instagram. Piqué mmh. piqué collégramme. Mmh. Euh, J'ai trouvé ça formidable quand euh, euh, c'était le temps où il n'y avait que les photos. Je trouvais que c'était, il y avait quelque chose d'assez artistique. Il y avait des moments suspendus, les photos comme ça, espèce de mystère. Maintenant, je trouve ça abominable avec le l'insta story. Euh, voilà. Mmh. Euh, c'est dérivatoire tout ça, parce que c'est quand, quand même très dangereux. Une poubelle. Hein. Moi, j'appelle ça interpannet, hein, mais bon, c'est mon petit point de vue. Mais moi, je trouve que ça. Alors, il paraît que c'est très utile. Je ne critique pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que c'est une immense poubelle mondiale mmh. où les gens la parole aux anonymes est dramatique parce qu'il faut quand on donne la parole aux anonymes, ils écrivent forcément. Je la déteste. Elle pue. Elle est moche. Elle est, ci, elle est ça. Et pendant la guerre, il y avait un journal qui s'appelait Je suis partout et mmh. qui donnait la parole aux anonymes aussi. Et donc c'est quand même très, très euh, c'est épouvantable. Ouais. Moi, je déteste ça. Mais bon, en même temps, je vis, euh, je vis. Dans dans cette époque que je trouve pas forcément flamboyante. Ben oui, parce que si je si je récapitule, donc pas de pas de réseaux sociaux, euh, pas d'émissions de télé où euh, on va dire on va faire le, le plus, show, plus 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 j'ai fait j'ai fait les, les beaux jours d'ardisson de Monsieur Fogiel. Hmm, tout il y a ça. quelques années. J'ai quand même été une très bonne cliente. <laughs> j'ai fait les pilotes de tout ça. Hein. J'ai ouais, créé. Ouais. Non plus parce que ça m'intéresse plus parce que je sais que je me fais allumer, je sais qu'il me ressort tous les dossiers, donc ai, je, je n'en ai pas envie. Mais j'en ai pas envie pas parce que euh, j'ai plus de excusez moi du mot de, de, de couille oui. parce que les j'en ai croyez moi ça s'entend mais par contre j'ai ouais. plus envie parce que ça ne m'intéresse plus ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est actrice, qu'on qu ne va pas dans ces émissions de télé, ou qu'on n'y va plus, euh, qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, qu'on fait pas euh, la presse people. Vous, vous... Ah bah si, à mon insu, je fais la couverture. Oui. J'ai fait cet été euh, la couverture de Closer, à mon insu, en, dans, en Corse avec les les seins à l'air. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez vous attaquer Jamais. Non, je ne suis vous. pas procédurière et puis je trouve que. Qu'est-ce que ça fait quand on, on, on est en vacances et qu'on va chercher le journal et qu'on se voit à la une de bah, ça avec fait, les ça à fait. Je suis habituée, ça fait bizarre et en même temps. Enfin, euh, tu es, es est... bonasse sur la... <laughs> sur la couverture. Bonasse, dit Marie. <laughs> non, non, je suis pas bonasse, ça fait bizarre, mais en même temps, euh, c'est la rançon de, de ça. Et puis, et puis euh, la, la directrice. De, de Closer, elle, elle est très gentille avec moi, alors je euh, pas que je lui fais pas de procès qu'elle est gentille. Mmh. Parce que vous savez, hein, on fait des procès et puis euh, derrière euh, il continue quand même, mais ils mmh. vous loupe pas. Hein. Mmh. Voilà, et puis c'est la vie. Et puis, mmh. mais faire la promotion y a des gens qui rêvent d'être dans ces journaux là, hein. oui, 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 et qui font tout pour y être en oui, général, bien entendu. Euh, pour faire la promotion d'une pièce d'un film, donc aller sur les plateaux télé, les, les studios radio, c'est un plaisir, c'est une obligation. Vous êtes ici par obligation. Alors là, là, c'est alors c'est une obligation parce que c'est un droit. On est obligé de le faire pour mmh. pour c'est normal. En plus j'ai un attaché de presse Alain échou qui est trop 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 trop, trop mignon. Oui, qui qu'on salue qui est de l'autre <laughs> côté. Je vous salue. Merveilleux comme disait Jean-Claude Brialy. <laughs> et euh, et puis c'est une obligation et parfois comme pour vous aujourd'hui un plaisir. Ah bah dites donc. Voilà non, je vous le dis non non mais je suis franc je vous ouais. le dis. Euh, y a, y a, après il y a des émissions. Euh, Bon, je ne vais pas dire de nom, mais il y a des émissions, c'est des tannées. Ouais. Mmh. Bah, c'est un plaisir partagé et, wow. et c'est pas fini. Euh, on a une surprise pour vous dans un instant, ah, Mathilde Seigné. À ah. tout de suite sur RTL. Le journal inattendu sur RTL, avec Vincent Parizeau et oui, Mathilde Seigné. Alors, je vous avais dit, on a deux surprises. On a une surprise, Mathilde Seigné. En fait, on en a deux. Euh, on en a une petite, tout d'abord. Encore un soir, ah, encore une heure, encore une... Il paraît que c'est votre chanson préférée du moment, euh, ouais, encore je, un soir je, de Céline ouais, Dion. Céline Dion d'une manière générale, je trouve qu'elle est aimante. Quoi. Mm. La voix La voix, je trouve qu'elle est une folie. Mm. Elle est dingue. Moi j'adore cette chanson aussi. C'est vrai oh je l'adore. D'ailleurs, j'ai mixé hier soir. Ouais. Je mixe plus de l'électro de ça. Et bah, ben, je l'ai mis à la fin de la soirée. Ah oui, dans une soirée. électro. oui, c'était cool. Elle moderne, était cool elle et branchée. les gens étaient ravis. C'est vrai. Mais vous savez que Céline, elle est extrêmement branchée maintenant. Hein. Ouais. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Le look, elle est... Est... Ouais. Mais cette chanson, elle est... Bon, J'adore, moi, Céline Dion. Mais cette chanson, elle est... elle est magique. Donc, encore un soir de Céline Dion. la plus grande chanteuse de variété au monde. Vraiment. Parce que... Et moi, je rends hommage quand même à quelqu'un, c'est Jean-Jacques Goldman. Hein. Oh. C'est toujours, toujours, Goldman. toujours Goldman qui est derrière. Ouais, c'est vrai, Monsieur Goldman, ouais. bravo. Hein. Euh, le journal inattendu, c'est une tradition. Mathilde Seigner se termine par un coup de fil, c'est l'appel d'un invité surprise. Voyez, euh, je pense que vous allez vite savoir qui se cache derrière cette voix. Bonjour, invité surprise. Bonjour. Ah, est-ce que sur le bonjour, ouais, vous avez euh, tout Ah, ouais. Sais, ouais, ah oui, d'accord. <laughs> bonjour. <laughs> oui, bonjour. Anthony. Voilà, ouais, Anthony ouais, Delon. Ouais. Bonjour, ouais. Anthony Delon. Merci d'être ah, avec nous. Ça me fait nous. plaisir, ça. <laughs> Salut, Mathilde. Oh, mon bibou. <laughs> oh. Mathilde et Marie-Amélie, vous nous avez dit avant l'émission, euh, 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 je vais appeler, je vais avoir l'impression d'être en famille. C'est vrai Un petit peu. Oui, oui, c'est vrai, absolument. Oh, mm. Oui, oui. Ouais. Quels sont ces liens qui, euh, qui vous unissent ah, je bah, écoutez, à, à qui vous parlez à Mathilde ou à moi Eh bien, à vous, Anthony. À vous deux, à nous deux. Oui. Euh, non, d'abord, je voudrais dire, parce que j'y pensais ce matin, comme je savais que j'avais téléphoné, est-ce que tu sais, Mathilde, que le mois prochain, ça fait 22 ans Qu'on se connaît. Bah, ouais. 22, 22 ans, ans d'amitié Ouais. ouais. Euh d'un lien ouais, familial, d'un lien. lien comme... C'est comme si euh, Anthony, c'était euh, un frangin. <coughs> et, et, et avec vous aussi.. Euh, ouais, Marnie. moi je l'aime beaucoup, Anthony. Oui. D'ailleurs, j'avais quand on m'a demandé à qui je pensais euh, pour lui faire cette surprise, j'ai dit Anthony. Ben alors, Anthony ah, Delombi. Ben, mais il oui. y a, il euh, il y, a, euh, y a quelque chose de, de joli parce qu'il il y a, il y, a, y a mon grand-père euh, Delon saigné. Je suis aussi extrêmement amie avec les, les enfants Gabin, mon corgé. Oui. Mais il y a quelque chose comme ça où on, je pense qu'on se retrouve quelque part euh, mm. dans, dans un lien. Euh, voilà, d'une pérennité de la famille, de l'enfant. Je ne sais pas, hein, je... tu vois ce que je veux dire, Anthony. Euh, Anthony, dites-nous ouais, ouais, si ouais. elle est dans la vie telle que les, les Français euh, l'imaginent. C'est-à-dire, euh, voilà, d'abord directe, franche, drôle, et, et peut-être même euh, déconneuse, euh, surtout si petit vert, ouais, ouais. <laughs> ouais, elle a un peut-être, non Oui, elle est dans la vie comme les Français l'imaginent, oui. Elle est dans la vie comme on vient de l'entendre là, parce que j'ai écouté aussi l'émission... Euh... Elle est pareille, elle est comme ça. Ah bah ça nous ah. fait plaisir si elle est vraiment comme ça. Vous avez vu la pièce, vous avez vu la nouvelle, Anthony Delon Oui, j'ai vu la pièce. Alors je dois vous dire que euh, moi au théâtre, j'ai toujours un ventre mou de, de 10 minutes. Il y a toujours 10 minutes <laughs> où je m'emmerde. <laughs> euh, je regarde maman, je suis mal assis. Ah bah, suis, on n'est pas là, toujours très bien assis dit, ouais. Hein, ouais. Quand, quand, quand on s'est vu après la couturière. Écoutez, je ne me suis pas emmerdé une seconde. Mmh. J'ai passé un moment. Non, non, mais je dis pas ça parce que sinon je le dirais pas. Je dirais oui, ils sont formidables, la pièce est formidable et basta. Mmh. Non, non, je me suis pas ennuyé une minute. Du début à la fin, ça a été euh, un, un plaisir. Et, et Mado, euh, c'est un rôle qui lui va comme un gant, hein Ouais, mais moi je suis un peu inconditionnel. Moi, je trouve mmh. que tous les rôles dans lesquels elle joue lui vont comme des gants parce que c'est une grande actrice. Elle est capable de faire plein de choses. Là, euh, j'ai eu la chance de voir l'affaire Patrick Dills où elle joue la mère de Patrick Dills. Et alors là, c'est un rôle de composition absolument extraordinaire. Donc, si vous voulez, euh, moi, pour moi, tous les rôles sont, sont faits pour elle. Enfin, tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Hein. S'il si y en avait un, ou si ce n'était pas le cas, je lui dirais, mais là... Euh... J'ai rien à dire. Bah, merci, dis donc. <laughs> C'est un téléfilm qu'on va voir. Euh, qu C'est un, ouais. un, un troisième euh, film pour la télévision que j'ai fait oui. avec Yves Rigny, qui a un oui. talent fou. On avait fait Médecin Chef, oui. où je jouais ma tante Véronique Vasseur. Ouais, C'est fantastique flic, ça aussi. Ouais. Flic tout simplement, où, où je jouais Martine Monteil, l'ex-patronne du 36. Qui ont été des, des cartons d'audimat gigantesques sur France 2. Et là, c'est le troisième et je joue. C'est vrai, effectivement, la maman voilà. d'Ile, ce qui n'était pas évident parce que c'est vraiment très loin de moi pour le oui. coup. Mm -hmm. Mais je voulais voilà. remercier Anthony de tout ce qu'il dit. Voilà et que je l'aime aussi. Il le sait. Et nous, on vous remercie ouais, beaucoup, ouais. Euh, Anthony Delon, d'avoir passé ce petit coup de fil. Merci beaucoup. À Mathilde Saigné. On s'appelle, on s'appelle. Hein. Bisous, Mathilde. Anthony. Hein Mathilde. Je t'appelle. <laughs> Salut Marie. Salut. Salut. Mathilde Saigné, donc qui était avec sa sœur. Ici même, donc, invitée et même rédactrice en chef de ce journal inattendu, elle est au théâtre dans La Nouvelle, cette pièce d'Eric Assou, avec Richard Berry, mise en scène par euh, Richard Berry. On cite aussi Héloïse Martin, euh, Rudy Milstein et Félicien Jutner qui vous accompagnent sur, sur scène. Merci beaucoup, c'était bah un vrai, hein. vrai ouais. plaisir. Et bah moi, de vous aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi et dans un instant sur RTL vous serez avec Jade et Eric Dussard dont on refait la télé avec pour invité Evelyne Thomas à la semaine prochaine sur RTL